Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième leçon sur trigonométrie pour le playlist AdMaps en créole. Et dans la première leçon, dans la première leçon, Moti présente le syllabus. OK? Et là, Moti définit le sine, cosine et tangent, the trois basic trigonométriques ratios pour un an acute angle, Moti servi en and right angle triangle. Là, nous l'avons comme adjacent over hypotenuse, opposite over hypotenuse, et puis opposite over adjacent. Okay. Et puis, Moti expliquait que nous sommes dans le faux quadrant, okay? In the Cartesian, in the Cartesian plane. Et là, nous avons le les trigonométriques ratios sin, cosin et tangent. il ne pas seulement appliquer pour l'acute angle il faut les appliquer pour any angle in the in the four quadrant. Là, nous redéfinissons les trigonométriques ratios et nous considérons un circle radius 1 centre origin. Et puis nous trouvons que quand ça pointe là, là ça pointe ici là, point pi c'est lui qui peut tracer ce cercle-là, okay? quand il peut tourner. Et pour n'importe qui point ici, okay? et le trigonométrique ratio, il peut égal à les coordonnées, les XY de of point P. Et un exemple, peut-être, il n'est pas trop clair ce qu'on peut expliquer. Là, un exemple. Je vais dire la ligne. Non. Côte la ligne. Ok, il faut faire Ils ont là. Pi. Une ligne pi dash. Et l'angle qui nous peut considérer, c'est ça. Ça, une, une vine mocière. Cos de cet angle-là. Bon, bien sûr, l'angle, les est plus que 180, il est moins que 270. Quand c'est de cita de Hakala, il est pour la, la plus, the X coordinate, et le signe de cita est pour y y coordinate Et il est beaucoup comme ça pour n'importe quel point l'oraciel est l'ordre one OK Et dans Hakala ex coordiné, négatif, ça à dire cos de cita pour négatif, et sign de cita de hakala, bouts négatif. OK. Et moi, je ne comprends sa partie, sa première partie là. Et là, on va à la deuxième partie de la leçon. Et là, on m'a bien mentionné que sa leçon là, je bon, bon déjà fait lire, je bon déjà posté et mon vais déjà delete parce que c'est une erreur de concept dans la leçon. Et moi, si je pas infaillible, bon, heureusement, je bon, trouve trouver ok Et là, je bon, peux référer à la leçon. Et dans la deuxième partie, il vais commencer comme ça. Et nous considérons le following right angle triangle. Et ici. Code AB, the hypotenuse, est égal à r. BC est égal à q. AC est égal à p. Mais là, nous connais que angle ABC et angle B ou bien C et B. Bon, mon cas appelle ça B et C. Mon commence si en l'ordre alphabétique, même, même langue ça. Mon cas appeler ça B et C. Angle BAC plus angle ABC is equal to 90 degrees. Ou bien, si on appelle ça theta, je appelle ça alpha. Theta plus alpha is equal to 90 degrees. Ces deux langues-là, nous appelle ça the complementary angles. OK. Et si jamais ça, theta-là, il en rad, il y a radian, là, alpha peut être égal à pi by 2. Minus theta en rédienne même. OK. Et dans le cas qui a degré, alpha peut être égal à 90 degrés. Minus theta de OK. Et là, nous recallons que cos theta c'est pi over or, sin theta, c'est q over or tan theta c'est q over pi. Et cos alpha, c'est q over o. So, alpha so adjacent, c'est B BC, c'est Q over O. Sin alpha, c'est Pi over O. Alpha so opposite, c'est ici. Et tan alpha, c'est opposite de alpha divided by adjacent de alpha, c'est Pi over Q. En enfin, fait, il peut être égal à 1 over Q over Pi. Il peut être égal à 1 over tan theta. OK? Et là, je déduire, je vais avoir une logique déduction et je suis capable. Prends mon calculatrice et remplace n'importe qui langue et valide. Ok? Mon gain, c'est mon identity. Cos de 90 minus cita. Cos de 90 minus cita est, est égal à sine cita. Si nous regardons bien, là. Ça, divine là, est égal à sine cita. Sine de 90 minus cita il peut être égal à cos OK Et tan de 90 minus theta, il peut être égal à 1 over tan theta. OK Et... Mon cas avec Rihanna, si tu m'as 1 over tan theta. OK. Next. Bon, à cela nous rappelle que nous définir les coordinates. L'eau, sa circle, là, on the rim of the circle, unit circle, et région 1, il y a un centre, la origin. Sa coordinate il y a un point égal à la x-coordinate, la coscite, la sine-coordinate, la sine-cita. Parce que si si ça l'angle cita ok, at any point P on the unity circle, the x coordinate it is égal à cos theta, the y coordinate est égal à sin said Alors, nous voulons extend extension of this principle to the circles of pas just seulement de just one to circle of any radius, where r is a positive real number, ok. Nous pas capable de faire qui est now negative negative radius, uh, ok. Là, cosita, cosita, lipo égala. Parce que si nous avons là, nous prenons un exemple. Là. Non, je ne sais pas ça. OK. Et nous avons là, nous extendons ça là. Nous prenons un là, par exemple. Vous prenez une coordonnée. On appelle ça p 2 x-2, y-2. Bon, ici, j'avais déjà hein? ça c'est y2, ça c'est x2. Et ça, nouveau régie, là, peut être égal à r2. Et là, nous connaissons que coscital, x2 divided by r2. The x coordinate divided by the radius. And the y coordinate, c'est y2 divided by r2. Y2. OK? Et c'est ça qu'il nous fait, faire, nous pouvons extendre sa principle of. Unit circle là, to circle of any radius. Et là, on va effacer ça. Et on va prendre un exemple là, exemple, if r est égal à Route 2, dans ce cas-là, r est égal à Route 2, et long pour 45 ici, Cita pour 45, alpha aussi pour 45, ce so complémentaire angle, et là, là ça, la coordonnée est là pour 1, sa coordonnée est là pour 1, parce que 1 to the square plus 1 to the square is equal 2, et là, 2 sur square root pour 2. Et cos theta, 1 over root 2, sin theta être égal à 1 over root 2. Nous considérons maintenant le suivant triangle équilatéral. Et moi vous ai mentionner que là, a toujours dans ma théorie de base, parce que mon père a assez de théorie pour, pour, pour faire une question. Okay? Et comment je vais faire une question, je vais faire une question à la moitié et puis je vais expliquer une théorie et je ne trouve pas trouver ça correct. Par contre, je préfère faire un peu de théorie pour que je ne bouffe certaines questions. Okay? Et considère le following equilateral triangle. Ça veut dire side 2. Ça veut dire 2 2. Deux. Deux. Et ça ici, là je divise en 2. Ça veut dire 2 pour diviser en 1 et 1. Et bien sûr, équilatéral triangle, ma ben langue là, à l'intérieur, pour 60 degrés. Et si mon divise en deux, il est pour 30 degrés. Moi, bon, ça, c'est un right angle triangle. Ça, c'est un right angle triangle. Et ça opposite, là, là. Si sa langue là, c'est opposite, et il peut être égal à 22000 moins square under route, ça veut dire 4, retiré 1. 3 3 under route et les pour route de 3, racine carrée de 3. Et cos de 60 peut être égal à half, sin de 60 peut être égal à 3, root 3 sur 2, tan de 60 peut être égal à route 3. Et pour 30 aussi, nous ne pouvons pas calculer, ça veut dire ça et que ça vous paraît. Cos de 30 c'est route 3 route 2, sin de 30 c'est half, tan de 30 pour n root 3. Bon, à cela, vous pouvez moi, je vais me posez une question, what are the values of the trigonometric, Je connais la trigonometric of the acute angle 60, 60, 60 là, et moi, avez the values of the trigonometric ratios of 60 plus 90. Ça veut dire, ici, là, je 90. Ça veut dire, ça pour 60 plus 90 peut être égal à 150. OK? Bon, si ça 150, bien sûr, ça vaut 30. Okay. Et c'est quoi le trigonometric ratios of 60 plus 90? Et bon, là, à cette, là, attention, je vais te faire aérer, là. Je vais te l'erreur que moi, si mon capa a fait, faire. et ça mopi et comme on dis, je tourne pas 90, disons là. Hein? Et ça veut dire ça, c'est 60 degrés. Je crois quoi, ça, 60 degrés? Menti, hein? OK? Fausse. Si je tourne pour 90, ça, pour de 30 degrés. OK? Et qui fait, vous pouvez faire ça? Vous montrer tout simplement comment nous sommes capables de gagner un résultat directement par une simple manipulation, ok Et cos de 60 maintenant, on va dire ici là, ça a tourné une ligne une là, il y avait 30 degrés, et si ça 30 degrés, nous connaissons qui sont adjacent, parce que là nous connaissons sa, sa, sa route 3, ce adjacent pour route 3, mais seulement les in, in ex axis Axisport, ça veut dire ici c'est 0, après négatif, est là, ça sera négatif infinity, ici positif. Ça veut dire, bon, malgré que ici, les routes 3, ici, parce qu'ils est négative négatif, ça veut dire qu'ils pour moins route 3, ce coordinate. Et hypotenuse pourrait se pareil. Et ça n là, il peut pas par 90 et il peut là. Ok, il peut n. Et là, cos de 60 plus 90, c'est la x coordinate of PH divided by hypotenuse. Et c'est la cause ça qui m'a qui mon fait mon extend cette définition là. Et ça qui est arrivé ici. Il est facile, mais vous allez à mettre Ok, on vais remettre, on va x coordinate divided by R. Sin theta est égal à y coordinate divided by r. Et il peut x coordinate of p dash divided by hypotenuse. Ok. Alors je vais dire x coordinate minus 3 divided by 2. Et on vais trouver qu'il est égal à r. ce valeur pareil, ce magnitude pareil, mais ce sin pareil, je vais dire minus sin 60. Ok. Ici et ici. Sign de 60 plus 90. Et là, moi j'ai mentionné que moi peut exprimer sa bonne valeur, cos de 60 plus 90, as et, and, 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 and as comment on dit, in terms of the trigonometric ratios of 60 degrees. OK? Et là, on gars, moins 9 de 60, parce que mon je cas, il y a les cos de 30 aussi, hein? Minus cos de 30. Non, mon préfère garde sa là. Et sin de 60 plus 90 maintenant, c'est y coordinator p dash divided by hypotenuse. Et y coordinate of p dash, c'est 1. 1 divided by 2, on gars, hein? half. Et half est égal à cos de 60. Sine de 60 plus 90, c'est cos de 60. Tan de 60 plus 90, c'est là, là, pour, bon. Sa y-coordinate là, divide par la x-coordinate. Et y-coordinate c'est 1, divide by x-coordinate c'est minus root 3, minus 1 over root 3 est égal à minus 1 over tan de 60. Et là, moi aussi, j'ai mis ça, principe là, vous pouvez vérifier pour okay. n'importe quel angle. Logical conclusion, deduction. For any angle theta, cos de 90 plus de theta est égal à minus sin theta. sin de 90 plus de cita, est égal à cos de cita. Tant de 90 plus de cita, est égal à 1 over minus tan de θ et vous comprenez comprendre ça ça ben ben ben, ben là, pas besoin d'en prendre pour ça ok ou besoin connaître sa simple définition là ou besoin connaître sa concept là et là n'importe qui qui identity et on appelle ça une identity parce que est valide pour tous les angles okay? par exemple si on prend nous prenons par exemple l'angle de 75 degrés. Nous, pas l'angle de 75 degrés, nous prenons un angle un peu plus grand. 700 degrés, disons. Donc, il un coup qui va le 700 degrés, cita est égal à 700 degrés. Et cos de, dans mon calculatrice, cos en degrés, bien sûr, cos de 700 est égal à 0.94, tout 0.94, tout décimal please, to cost de 700, bien sûr, hein. et notre euh, cos de, non, sign, par exemple, on vient de valeur directement, sign de 790, D'après sa, sa formule-là, est égal à pareil comme mon coste de cita, 0.94. Et nous guettons 5 de 790 et, est égal à 0.94. Et là, si je moi, si moi, stop ça chez elle, là je vais montrer les autres les, là Je ne sais pas on va en trouver. Non, c trop brillant, pas trouvé. Non. Hmm. Impossible. Il y a trop beaucoup la lumière. Pas grave. Mais ni 0.94. Et sorry, on a coupé coupe sa vidéo là pour rire. Bon, pas grave. Et là, moi j'arrive ici. Ça veut dire moi tu peux montrer un exemple pour vérifier. Ça veut dire n'importe qui long, les pour n'importe qui long. mon je prends à 700 degrés et mon record cosita cosita c'est 0.94. Là, mon sign de 790, le besoin est égal à 0.94 et mon vérifie 0.94. Ok. Et là, on continue. Et une autre question, on me what what the trigonométrique réjouissante pour 60 degrés plus 180 degrés. On veut dire, on laisse 60 là ça là. Alors, parce que je ne tourne pas 90, mon ne tourne pas 180. Et si je bouge mon x, y est plein, ne pas comme ça. OK Et là, parce que mon ne tourne pas 180, je tourne un coup, mon tourne deux coups, va une là, une pareille, mais seulement elle négatif négative. Et minus 1. 1 peut minus 1. Ou de 3 pour minus 3. Et sa langue, il y a with avec uh, un axis aussi, il reste pareil. Et nous fait sa langue 240 degrés, si tu as une 240 degrés. Ok? Cost de 240 degrés, je vais servir mon définition, x coordinate of p dash divided by hypotenuse, x coordinate c'est minus 1, divided by hypotenuse c'est divided by 2, je vais Minus half, minus half, c'est minus cos de 60. Sine de 240, c'est y coordinate. Minus root 3, divisé par 2. Mogain, minus sine de 60. Tan de 240, c'est y coordinate of pi dash, divided by x coordinate of pi dash, minus root 3, divided by minus 1. Mogain, root de 3. Il pareil comme on tan de 60. Et là, on déduit déduire pour Il faut any angle pareil. Vous êtes pouvoir de vérifier. Ok. Cos de cita. Plus 280, il est égal à minus cos de cita. Sine de cita, plus 280 est égal à minus sine de cita. Tan de cita, plus 280, plus de 180, plus 180, ça veut dire, est égal à tan de cita. Et bien sûr, bon, ça c'est une deduction, ça. n'est pas vraiment une proof for any angle, mais it is true for any angle. Et nous sommes capables de prouver ça, mais pour le moment, nous ne pas encore arrivé, nous pas encore gagné le matériel nécessaire pour nous prouver ça. Là. OK, Nous pas encore gagné la théorie nécessaire, mais plutôt nous vous prouvons. Okay? Comment, pas par la méthode, là, pas par la déduction, mais par la mathématique proof, comment cos de cita plus 280 est égal à minus cos de ok Et nous avons gagné. Et trois identity, et la cause ça, on peut dire, c'est une identity comme ça, nous sommes capables de gagner par milliers. Et est-ce qu'il nous faut pas plan hyper-quaire Non. Okay. Et, mais est-ce qu'il nous faut connaître comment on arrive à cette identité-là Oui. Okay. Et pas besoin de plan hyper-quaire, mais il nous faut connaître lui comment dire, comprendre plus. C'est ça, c'est mon tout dans le coin. On a, mon a oh, est 60 là, là. on a est 270 degrés mais ma là, ok, 60 plus 270 plus bouvine 330 degrés et tout ça là pour 330, tout cela 360, ça veut dire ça c'est l'angle là, c'est 30 degrés, ok, et de là mon gain cos de 330 degrés, les pour route de 3, parce que ça exponentiel très séparé. route de 3 divisé par 2. sine de 300, 330 degrés minus 1 divise par 2, vous avez une minus cos de 60. Ici, vous divise... ça une cos de 330, vous sin une sine de 60. Sine de 330, vous avez une minus half, qui est égal à minus cos de 60. Okay. Tan de 330, vous avez une minus 1 over 3, qui est égal à minus 1 over tan de 60. Et là aussi, vous êtes capables de déduire que pour une angle, quand vous avez de 270 degrés, degrés. De cita plus 270 degrés est égal à et sin de cita sin de cita plus 270 degrés est égal à minus cos de cita et tan de cita plus 270 degrés est égal à minus tan de cita. Tan de cita. Et next, et c'est là qui, dans la vidéo qui motif faire, qui mon bisandidite, c'est là c'est là qui m'ont fait un. Erreur monumentale. La prochaine, mon musant refaire ça. The definition of the basic angle, ok. Et mon trouve erreur comme on peut faire la prochaine vidéo, Pas la vidéo là, mais la prochaine vidéo comme on peut pratiquer une question, mon remarque et qu'on fait une erreur et là mon mon retourne pour faire la vidéo là, ok. Bon, general angle and their corresponding basic angle. en a quatre scénarios. Molon les cartes du first quadrant, le second quadrant, le third quadrant, le fourth quadrant, ok? Et quand les dans the first quadrant, les poudres à pomme là, on va dire mon moyenne coordonnée un point P là et l'angle que OP fait avec x, ok? Moi, je vais alpha. Et si dans le second quadrant, l'angle OP fait avec X, bien sûr, in the clockwise direction, de Hakalala, clockwise, parce qu'il y a une autre langue qui le faire par ici aussi. In the clockwise direction, in the clockwise direction, anti-clockwise, sorry, anti-clockwise direction. On va appeler alpha. Et, on peut dire let the basic angle is equal to beta E. On peut donner une valeur, une variable. Une bon, variable qui est dans deux, deux lettres, bien sûr, non? beta E. On peut dire, moi, je dire b, basic angle. Et dans ce cas-là, the basic angle est égal à alpha. Okay? Dans le cas de acute angle, the basic angle is the acute angle itself. Dans le cas de un obtuse angle. Ça veut dire que est plus grand que 90, moins que 180, il trouve le de deuxième point de moins. Le basic angle, c'est ça l'angle. Malgré alpha ici, le basic angle, c'est ça l'angle. Le basic angle de ça, c'est 180 degrés, moins alpha. Et on va mettre, mettre degré là. Ça veut dire que ça, c'est alpha degrees, 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 degrees. OK? Et dans le cas que les plis qui 180, ni moins que 270, le basic angle, c'est ça l'angle. C'est ça l'angle. Et là, vous trouvez que tout ça là, c'est alpha. Ça, c'est 180. Tout ça là, c'est alpha. Ça part aussi là, c'est ça. 180, the basic angle can only be alpha retiré 180. Ok. Et dans le cas qui est de force quadrante, ça veut dire ici, tout ça là c'est alpha. The basic angle c'est ça ici là. Ok. Ici là là. Ça là, ici là. Et nous connaissons que tout ça là, c'est 360. The basic angle can only be. Bon, capable 360 moins alpha. Et bien, c'est bon, là, on écrit un autre affaire, là, on a un qui est Alpha retire les 70. Non, 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 on ne fait rien là. OK. Et c'est ça, on ne rien qui parfois qui, qui, enfin, m'offrir et là, comme on on a été, il a une trop tard. Et ça veut dire 360 minus alpha. Ici, il dit alpha moins 180. Ici, il dit 360 moins alpha. Et ça va nous faire, pas besoin de prendre pour qui. Hein? pas besoin de prendre pour rien. Il besoin de definition of the basic angle. Basic angle, beta, si nous avons bien, là, beta. is always a small angle, the small acute angle, the small acute angle formed by OP and the X-axis. Formed by OP and the X-axis. I will say, okay? when Morod OP and the X-axis, that is the basic angle, when Morod OP and the X-axis, the small acute angle, because angle okay? a small acute angle, I will say, et nous rôde cet angle-là, c'est ça, le basic angle. Quand est ici, c'est ça, le basic angle. OK, et quand est ici, c'est ça, le basic angle. The angle formed by OP and the x-axis. Et bien, ça ça définition, bien, parce que Parce que si nous ne prenons pas ça, là nous gars nous parlons dans une mauvaise direction. Nous ne sommes pas pour comprendre ce qu'il nous fait faire. OK, ça, c'est une définition très importante. Et mon conseil. What is the trigonometric ratios of negative angle? OK. Et Moon god Moon god ça, ça, ça triangle, un triangle, là. 60, N2, route 3, 60, là. OK. 0, puis 60, 2. Ça veut dire, ça c'est route 3, ça c'est 1, et ça c'est ma valeur pour 60, 5 de 60, 10 de 60. Et le négatif angle, ça veut dire à la place qui est clockwise, moins anti-clockwise, moins anti clockwise. Clockwise, below 60 degrés, je vais gagner un pi ici. Ça veut dire que mon va comme ça pi-dash, comme Et l'angle qu'il fait avec le x-axis, c'est. Minus -60 dans cette direction là. Mais si nous gardons un small angle acute angle, dans ce cas-là, un small angle acute angle, un small jamais positif. Hein? Bon, je change la définition, un small positif. Un small positive acute angle et dans ce cas-là, il est 60 degrés. Dans ce cas-là, le basic angle. C'est 60 degrés. C'est 10. C'est 10. Et le de minus 60, c'est 1,2 €. 1,2 €, oui. Il paraît qu'on a le de 60 Sine de moins 60, c'est minus root 3, l'autre 2. Le minus sine de 60, tan de moins 60 est égal à minus root 3 sur 1. Le pareil, comment? Minus tan de 60. Et même affaire, nous dire logical deduction. Bien, bien. Logical deduction, cos de minus theta est plus cos theta, sin de minus theta, minus sin theta, tan de minus theta est égal à minus tan theta. For any angle, for any angle, the valide, ça m'en Ok. Bon, là... bon il y a une autre théorie parce que nous travaillons avec un circle, hein? nous un unit circle, là, radius one, et the coordinate, power tous cos theta, et sin theta. Any place. is the hypotenuse, ce valeur 1, ça veut dire ça, ça, sa, sa distance là, du square, plus sa distance là, du square. Peu importe côté il parce que square, il est square il est négatif ou une positif, under root, peut-être là, 1, ça veut dire cos, non. Sa distance à tous les squares plus sa distance à tous les squares peut être égal à 1. OK, 1 to the square. Ça veut dire, si nous guettons bien, ça veut dire cos square de theta plus sine square de theta peut être égal à 1 to the square, implying that cos square de theta plus sine square de theta is equal to 1. Route d'aube of 1 to the square, d1 même. Et Là, moi, the famous identity cos de theta plus sin² de theta is equal to one. and an identity qui est facile, bon, parce que ça c'est une preuve, ça, hein? ok. Et, n'est pas seulement valide pour pour cita. nous trouver mathématiquement, nous trouvons qui logiquement, est valide pour all cita. ok. Et, c'est un small identity cos de theta plus squared de theta est égal mais seulement ça c'est une identity qui nous poussait presque tout le, tout le temps, ok, partout nous servit ça, et nous ne pas les petit parce que, malgré les petits, ils sont très très puissants, ok, et là, là, pour ça sa leçon-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose encore, bon nous, nous, nous faisons une dernière affaire, ok, nous considérons ça, quand tu es jeune, système, First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. And, la, shimono mo naong pila, okay? Bon, nung pano we just one mem. Abigya, kala ni one, one, napele si daisi. Mo tune clockwise.

je trouvais que 0 degré est égal à 360 degrés, parce qu'il y a la même position géographique sur le XY plane. Et là, je retourné en quinze ou une 720 degrés. Ça m'a une langue l'équivalent. Alors c'est mon outil anticlockwise. Mon outil anticlockwise. M'ont retourné, retourné, retourné. Ça veut dire qu'il négatif N degré, négatif D. Ici, il peut négatif 90 degrés. Ici, il peut négatif 180 degrés. Négatif 270 degrés. Et ici, il une négatif 360. Et il me trouvait que sa langue là et que sa langue là Paris Ok? Et il peut une négatif 720 degrés, etc. Ok? Ça veut dire le sa langue là. Bon, ce valeur peut augmenter, ce valeur peut avoir. Mais position of pi, il peut répéter sac 360 degrés. N'importe qui place, ça veut dire que nous mettre, nous mettre pile là. Hein? Mais puis là, et ça, disons, halang, là, c'est alpha, ok, ça veut dire alpha peut être égal à alpha plus 360 degrés, peut être égal à alpha moins 360 degrés. Si nous regardez bien, il peut être alpha plus ou moins, n'importe qui va il peut être plus 720 degrés aussi, moins 720 degrés, il y a les mêmes comme ça, plus ou moins n facteur fois 360 degrés, where n is a positive integer. Ou bien, nous dire alpha plus n 360, where n is n integer, directement. Ça veut dire n capable positif, bien négatif. là. OK? Et là, on va arrêter le leçons. Assez ah, de concepts. là Et la prochaine vidéo, ça c'est un ça concept de man théorie de, de first lesson and second lesson. Là. Et nous vous mettons ensemble, ensemble, nous vous servir à deux, deux leçons dans une théorie pour nous faire une question. OK? Et surtout, seulement une question, une question, question très simple au commencement. Et puis, peut-être dans une prochaine vidéo, pas dans la troisième, la quatrième vidéo, nous vous faisons une question un peu plus difficile. OK Et là, moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.